Doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage et ensuite, à nous l'aventure! Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Yakari! Mais... on est pressé! Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite! Tu verras! Il aura fière allure! Bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul? Je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Oh! 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 Le barrage! Oh! 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 Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Hein? Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Oh, mais non, non, qu'en réfléchiras-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes! Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts! Tu ne fais que des bêtises! Hein? Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi! Non! J'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand! Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre? Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou? Ça m'est égal. Je suis un grand, il ne fait pas peur. Et le froid? Et la faim? Tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller.
Ça suffit, tilleul. Oh oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Oh. Toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail! Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu es à la frousse? Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non! Pour moi, c'est non! Arrêtons-nous! Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Luki se couche! Tu m'as fait peur! Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. J'ai besoin d'une bonne branche. Mais
Va-t'en, gars! Bravo, Yakari! Oh là là! Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Merci. Papa, maman, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez tellement manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Yakari, viens avec nous. Les castors vont préparer un sacré festin. Non, merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut.